Chambre d'Avignon, bienvenue à bord de l'épisode 3. Aujourd'hui, c'est ambiance canicule, il fait chaud, très chaud. Au sommaire de notre émission, on va recevoir Pierre Diot pour une interview en profondeur. Et puis comme d'habitude, on retrouvera Marco pour Avignon by Night. Moi, pour le moment, je vous laisse, je vais faire un petit plouf. Tout à l'heure. Bienvenue au Festival d'Avignon, sur la place de l'Horloge. Vous avez l'honneur de voir Viva la Comédia, qui présente deux spectacles au Théâtre de Loul, Tartuffe de Molière à 15h15 et Hamlet or not Hamlet à 17h. Alors, c'est deux spectacles merveilleux qui sont... Mais charmant, charmant, il faut venir, c'est classique, mais c'est drôle en même temps, donc c'est pour tout public. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Hein. C'est vitaminé, c'est passionné, mais c'est pas corrosif. Bah oui, c'est comme ça que c'est arrivé, en fait. Et alors, en fait, on arrive à Viva la Comédia, c'est comme ça, en fait, on a créé un truc, est parti comme ça, on fait des développements sortis sur le Viva la Comédia. C'était Viva la Comédia. Que du bonheur. C'est le texte de Molière parfaitement respecté, un spectacle vivifiant, rafraîchissant, un vrai bonheur. Voilà, c'est en gros ça qu'il faut dire et retenir de cette émission. Venez nombreux, soyez heureux, la salle est climatisée. Super, t'es là. Non, parce que je t'attendais à l'autre trou, mais c'est pas grave. J'arrive. Dis-moi, Pierre, d'où te vient cette passion pour les trous? Alors, ne nous méprenons pas. Hein. Ce n'est pas n'importe quel trou. C'est le trou que creuse la vie en nous. Quand les spéléologues descendent dans les trous, et qu'il y a une pierre qui tombe, tu vois, celui qui est tout en haut, il fait tomber une pierre, ils disent justement Pierre. Donc quand toi t'es en bas et que tu t'appelles Pierre, qu'est-ce que tu fais toi? Quand les autres préviennent, tu vois, ils font « Pierre !» Toi tu fais « Ouais !» Paf, tu prends la pierre dans la gueule, enfin bon voilà. Dis-moi Pierre, comment tu as réussi à faire ton trou dans le festival? Oh, très fin. Non mais pour faire un trou, il faut des tracteurs. Non mais c'est vrai, on en revient à ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport, non parce qu'ils ont des tracteurs, mais c'est vrai, c'est un rapport avec le bâtiment. Tu prends deux tracteurs, ils donnent des tracts, t'as ça les tracteurs, ils te font un trou quoi. Ils te font ton trou dans le festival. En tant que comédien, est-ce que souvent tu tentes le trou pour le trou? Ça va continuer longtemps cette interview pourrave, à deux balles. Alors attends, je vais te dire un truc. Virginie, écoute-moi. Mon spectacle, c'est exactement le contraire. C'est pas de la blague facile. C'est des situations, c'est des mecs qui vivent des trucs forts. Et c'est drôle justement parce qu'il n'y a pas de la blague pourrie. Ok, Pierre, j'ai une dernière question pour toi. Il y a eu l'iPod. Après, il y a eu l'iPhone. À quand? L'idiot. Ça me désespère. Ça me ramène à quelque chose de douloureux. Parce qu'on on vient d'avoir une fille, Valérie et moi. Et on n'a pas réfléchi au prénom. Et bon, voilà. On l'a appelée Kelly. Et quand tu t'appelles Dio, c'est horrible, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me fait une blague là-dessus, je repense à ce qu'elle est en train de vivre en maternelle. Parce que c'est foutage de gueule permanent déjà à 4 ans et demi, tu vois, c'est... Quel idiot! Ah, oh, quel idiot! Merci Pierre, c'était un vrai bonheur de cette petite interview avec toi. Bah c'était pas réciproque. Hein. Je gère la fougère, mais des fois c'est galère. Salite sul marchetta, signori passaggeri. Salite sul marchetta, signori passaggeri. Che il buon vento ci aspetta, già fin dalla prieri. Che il buon vento ci aspetta, già fin dalla prieri. Alors, Patrick, un spectacle affiche, entre autres, hein, pendant ce festival, Zablock. Alors, raconte-nous un peu ce spectacle, c'est quoi? Zablock, c'est de la musique avec des sketchs, des chansons françaises et avec des musicos, batterie, basse et clavier qui sont là avec moi, là autour de la table. Voilà, et on s'éclate. Les pantoufles, ça manque de souffle. Et les tongs, c'est de mauvais tons. Les talons aiguilles, c'est pour les filles. Les prods de Ken, les escarpins, les mocassins, merci bien. Les sabots, les sandales, les sandjacks, sans façon. Laisse-moi tranquille, avec tes espadrilles, ne me prends pas la tête. Avec tes baskets, à la scène comme à la ville, dans l'arène ou dans la rue. Moi je marche en moon boots, moon boots. T'as bien fait de venir en Avignon. Alors, Alexandra, bonsoir. Bonsoir.
Alors, tu es serveuse ici au Cubanito Café. Qu'est-ce qui se passe ici tous les soirs? Ah bah c'est ambiance caliente, c'est salsa au Cubanito. C'est quoi la boisson hit du Cubanito? C'est quoi qui commandait le plus? Le mojito. Ah, on va le goûter, on va le goûter. Alors, Alexandra, pendant le festival, qu'est-ce qui se passe de plus que d'habitude ici? Ah bah y a du monde, ça bouge un peu quand même. Tu sens un changement dans la clientèle ou quoi? Oui, les gens ils sont un peu plus chiants. T'as bien fait de venir en Avignon. Si tu me mets pas sur ton site, je te fais un courrier à la direction, mais ça va te faire drôle, hein. Je t'annonce. Il y a intérêt que je sois sur le site en live. Bonsoir, moi c'est Ludo. Je suis d'Avignon, 27 ans, Bocaos, discothèque. Pour faire la fête, c'est le temps de la nuit avignonnaise. J'ai besoin... Victoria. Bonsoir, Victoria. Enchanté. L'électrobar en Avignon. On finit notre apéro à l'électrobar en Avignon. Voilà. Comme les bons sudistes, si c'est, quand c'est pas le pastis, c'est le vin. Voilà. Puis partant de là, ben on va continuer la soirée dans un club. Et puis, on va sûrement aller à l'esclave. Voilà. Club gay tendance. J'ai un mot à dire. Ambiance dans le bordel. Ambiance. On est à l'esclave, on est chez toi, on est à la maison. C'est chaud l'esclave, c'est très chaud. Surtout à la maison, et c'est très chaud. Surtout à cette période-là. Venez surtout à Avignon et venez à l'esclave. On a une ville qui bouge énormément. Est-ce qu'il y a beaucoup de comédiens qui viennent? Est-ce que... Beaucoup de comédiens. Parce que je pense qu'ils ont une pression toute la journée. Frater, à jouer, leur metteur en scène leur mettre la pression. Donc ici, ils viennent se défouler. Thierry, on te remercie, on va revenir te voir très vite. Ben, moi aussi, je vous remercie d'être là et je vous fais un gros bisou. Eh ben, gros bisou. Comme une marionnette, il met le doigt dans le, fait tourner la tête. C'est mon comédien, il me fait du bien.